Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Arcangélion. On fait le tour. Alors aujourd'hui, je sais plus ce que c'était. Si tu es 15 créatures adverses, je l'ai fait en un match en fait. Je me suis amusé à camper le mec et puis à tuer ces créatures au fur et à mesure. Et donc en un match, les 15 créatures étaient tuées. C'était bon. Comme le mec qui faisait des jetons, bah, ça m'a simplifié les choses. Avec mon Orzhov. Sinon, on a 820. Au niveau des gemmes, on est à 2600. Au niveau des pièces d'or, on a 3 courants, 3 inhabituels, 1 mythique. Le coffre est ouvert à 35%. On a 4 jetons de draft et 3 jetons lancez-vous. Au niveau de la maîtrise, on est arrivé au niveau 12. Puisqu'on est dimanche, donc bah, ça a permis de monter pas mal de niveaux, comme vous voyez. Donc là, on est déjà à 12 sur 70, un truc comme ça, je crois. Attendez, on va aller voir. De toute façon, pour maintenant, on n'est plus à ça près. 70, 72. 72 et on est à 12. Plus que 60 niveaux, en fait. Ouais. Hop. Allez. Ok, on est bon. De ce fait... bah non, on va pas aller à la boutique tout de suite, parce que à chaque fois, je prends et je me fais avoir... Donc non, on va d'abord aller voir les boosters. On en a 4, donc on peut en ouvrir 3, c'est bon. Allez, on est parti pour le premier. On devrait récupérer un joker inhabituel sur le deuxième booster. Alors, on commence avec Gardien de la Grande Porte, carte blanche qui arrive au deuxième round, créature ange. En tant que coup supplémentaire pour se lancer ce sort, engager 4 artefacts, créatures et ou terrain dégagés que vous contrôlez. Elle est équipée du vol, elle a 4 en force et 4 en défense. Petite phrase, le noyau avait été depuis longtemps scellé par les dieux des profondeurs qui donnèrent aux anges la mission éternelle de défendre ses portes dorées. Ok. Piétineur des cavernes, carte verte qui arrive au 6ème round. C'est une créature dinosaure. Quand le piétineur des cavernes arrive sur le champ de bataille, regarde 2. Pour 4 manas dont un vert, le piétineur des cavernes ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2 ce tour-ci. Il a 7 en force et 7 en défense. Ensuite, est-ce qu'il y a une phrase? Non. Ensuite, rocher incontrôlé, carte incolore qui arrive au 6ème round et qu'on connaît. On continue avec Bartolomé del Presidio. Carte Orzhov qui est donc magie blanche et noire. Carte qui arrive au 2ème round et qu'on connaît. On continue avec Enfant du Volcan, carte rouge qui arrive au 4ème round. C'est une créature élémentale. Elle est équipée du piétinement au début de votre étape de fin. Si vous êtes descendu ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur l'Enfant du Volcan. Il a +3 en défense et +3 en force. Ok. Glyphe errant perturbateur, carte incolore qui arrive au 4ème round, c'est une créature artefact golem. A chaque fois que le glyphe errant perturbateur attaque, exilez une carte ciblée depuis le cimetière d'un adversaire. 3 en force et 4 en défense. Petite phrase, partout où les spores commencent à se fixer, il écrase le sol. Ensuite, veine prometteuse, donc là on est sur un terrain caverne, donc si on l'engage, ajouter un mana incolore, et si pour un mana et son engagement, sacrifiez la veine prometteuse, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Petite phrase,
Unis sous la bannière de la coalition des Hardis, les pirates mirent de côté leur querelle pour piller le trésor souterrain. Ok, on va sur la dernière carte de ce premier. Alors, émergence frétillante, carte Golgari, hein, donc magie noire et verte, carte Konkoni qui arrive au troisième round. Voilà. Ok, oh, écoutez, que dire ? Mais rien à dire de plus. On passe à la suite. On continue avec le deuxième et une mythique. Est-ce que c'est... Non, c'est pas un joker, donc c'est une carte mythique. Éclipse malicieuse, carte noire qui arrive au troisième round. C'est un sort de rituel. Toutes les créatures gagnent moins 2/-2. Jusqu'à la fin du tour, si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir ce tour-ci, exilé là à la place. Ensuite, Sarbacane du chasseur, artefact équipement qui arrive au premier round. La créature équipée gagne +1/+1. La créature équipée a le contact mortel tant que c'est votre tour. Sinon, elle a la portée. Équipement 2. Petite phrase. Oh, je crois que je viens de me faire piquer par une guêpe, Captain. Nirgodoubin, dernier mot. Ok. Ah bah là aussi il y avait une petite phrase. Aklazoth éclata de rire tandis que les fragments noirs enveloppaient Chilmil, plongeant le noyau dans une obscurité surnaturelle. Enfin, son règne sanglant allait commencer. Ok, on continue avec Erreur Saumâtre, carte bleue qui arrive au deuxième round. C'est un sort d'éphémère, envoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Si elle était engagée, créer un jeton carte. Petite phrase. Lorsque les Malamés lui avaient dit d'éviter la rivière, ils avaient cru comprendre que son eau n'était pas bonne à boire. Ah bon, on l'a déjà eu ça ? Enfin, cette phrase-là, on l'a déjà eue, alors je sais pas s'il la recycle. Tour et détour, carte verte qui arrive au premier round, c'est un enchantement. Si une créature que vous contrôlez devait explorer à la place, vous appliquez regard 1, puis cette créature explore. Quand les tours et détours arrivent sur le champ de bataille, une créature ciblée que vous contrôlez explore. Quand un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si vous contrôlez au moins 7 terrains, transformez le tour et détour. Et donc ça se transforme en labyrinthe mycoïde. D'accord, c'est un terrain pour son engagement, ajouter un mana vert. Et pour 4 mana dont un vert et son engagement, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte créature parmi elles et mettre cette carte dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok. Il y avait une petite phrase, non, il n'y avait pas de petite phrase, non. Ensuite, pétrification, carte blanche qu'on connaît, qui arrive au deuxième round. Elle est suivie de aide des ancêtres, carte rouge qu'on connaît, hein, et qui arrive au deuxième round. On enchaîne avec sommeil perturbé, carte verte qu'on connaît aussi, qui arrive aussi au deuxième round. Enfin, on arrive sur la deuxième grosse carte de la session, et qui est une mythique. Ok, Augeur Axonil, puissance des profondeurs, carte rouge qui arrive au quatrième round, c'est une créature légendaire dieu. Elle est équipée de piétinement, si une source rouge que vous contrôlez devait infliger à un adversaire une quantité de blessures non combat inférieure ou égale ou à la force inférieure à la force d'OG Axonil, cette source inflige un nombre de blessures égal à la force de Axonil à la place. Quand Axonil meurt, renvoyez-le sur le champ de bataille, engagé et transformé sous le contrôle de son propriétaire. Temple de la force. Donc, terrain qui, une fois engagé, donne cette fois-ci un mana rouge.
Et pour 3 manas rouges, pour 3 manas dont un rouge, excusez-moi, et son engagement, transformez le temple de la force, n'activez que si des forces rouges que vous contrôliez ont infligé au moins 4 blessures non combat ce tour-ci, et que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok. Compliqué, hein. Ok. Bon bah écoutez, ça va, on s'en tire encore pas trop mal. Dernier booster. Dernier booster, on commence avec démantèlement intrépide, carte blanche qui arrive au deuxième round, créature humaine et artificier. Les artefacts que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé. Pour plus de 2 manas, dont un blanc, jusqu'à 3 manas, sacrifiez le démanteleur intrépide, détruisez chaque artefact avec une valeur de mana de X. Il a 1 en force et 4 en défense, et sa petite phrase c'est: à leur désarroi, les explorateurs de la coalition des Hardis découvrirent rapidement que les Holtecs n'avaient pas peur des canons. Ensuite, Pirate Pillard, carte qui arrive au troisième round, carte rouge hein, qui arrive au troisième round et qu'on connaît. On enchaîne avec Glissement de Roche Grondant. Cette fois-ci, c'est toujours une carte rouge, mais qu'on connaît aussi et qui arrive au quatrième round. On récupère un joker inhabituel en supplément, ce qui veut dire qu'on en a 3 courantes, 5 inhabituels, un mythique, et que le coffre est toujours ouvert à 35%. On continue avec Éclaireur des Héros de l'Onde, carte bleue qui arrive au deuxième round et qu'on connaît. On enchaîne avec Bagarreur de Malamé, qui est une carte verte qui arrive au deuxième round et qu'on connaît. On enchaîne aussi avec Infortrie des 1000 lunes, carte blanche qui arrive au troisième round et qu'on connaît. Et enfin, on termine avec Profondeur résonante. C'est un terrain caverne qu'on connaît. Ok, bah écoutez, que dire? On s'en tire plutôt bien, ça va. On garde. Pour le prochain épisode que je vais certainement faire dans la foulée puisque j'ai assez pour dire d'aller chercher 2 boosters, on va aller au niveau du profil. Donc au niveau du profil, il nous reste combien de jours là? 11 jours. Et ici, donc on est bien au 12e niveau. Et on vient là, on est à 47%. On est pratiquement à la moitié. Prochaine session, normalement, ça devrait être bon. 5 au niveau des mythiques, ça veut dire qu'on est au quart. 18 au niveau des rares, on est au tiers. 42 sur 92, on est pratiquement à la moitié. Et 65 sur 100, 101, ouais, on est au 6 dixième quoi. Ouais, ça va. Ouais. On a dépassé la moitié en fait. Ce qui est cool. Bah écoutez, il nous reste plus qu'à nous quitter. Hein. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Profitez bien de cette vie. Allez, bye bye tout le monde. Salut.